Tanaka Shingai est né au Japon en 1942. Maître en calligraphie, président de la Société des calligraphes de Kyoto, il enseigne aussi son art aux Occidentaux, à Milan et à Lyon. Ses performances nous conduisent au carrefour où la technique et l'inspiration se rencontrent. La calligraphie, pour moi, c'est ma vie. C'est comme une mission. L'art de la calligraphie est spécial, très philosophique, très spirituel, très technique. C'est une expression artistique très profonde. Je travaille l'art calligraphique pour en faire un art universel. La calligraphie est une tradition très profonde au Japon. Ensuite, j'essaie d'apporter ma propre créativité, ma propre originalité à l'art de la calligraphie. Je pense que beaucoup de personnes ont cette conception de la calligraphie. Beaucoup de personnes connaissent la tradition, la technique. Mais pour moi, la tradition et la technique ne suffisent pas pour en faire un art universel. Je donne ma vision de l'art calligraphique lors de mes expositions, de mes performances et dans mes cours. La calligraphie universelle, c'est comme la musique, comme la danse contemporaine. C'est très profond. Il y a des possibilités infinies. Les progrès sont toujours possibles. Le développement toujours possible. Mes activités calligraphiques offrent beaucoup de variations. Aujourd'hui, c'est avec la musique, trois musiciens en direct et une chanteuse, ma femme Machuko. C'est spécial. J'ai une école à Kyoto, une à Lyon et une à Milan. Mais je participe à beaucoup de lectures et d'expositions partout dans le monde. Le système Hotoke, c'est la caractère, c'est la signification de Hotoke, la signification de Bouddha. Je pense que mon art calligraphique est universel et très nouveau. C'est à Japon, le cœur, Kokoro. Kokoro. J'ai accepté une invitation à Lyon et j'ai beaucoup aimé Lyon. J'aime beaucoup la France. Lyon est comme Kyoto. Il y a des rivières, des collines. La nature, les traditions, l'histoire sont très présentes. Il y a beaucoup de similarités. Les pinceaux sont fabriqués avec différentes sortes de poils. Poils de cheval, poils d'ours, c'est spécial. Poils de chat sauvage des montagnes, poils d'oiseaux. Mais le plus flexible, c'est le mouton. Le mouton, c'est magique. Très flexible, très fin, mais très difficile. Mais magique. Tous sont fabriqués à la main. J'utilise cette encre. C'est mon trésor, cette encre. C'est une encre excellente. Fabriqué avec de la houille, du colza et une fleur de couleur rouge. La couleur noire est infinie. Il y a beaucoup de variations possibles. Dans ma philosophie, la couleur noire est la couleur parfaite.
J'ai commencé la calligraphie très jeune, lorsque j'étais enfant. C'est un cadeau du ciel. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette passion. C'est mystérieux. Je ne sais pas pourquoi.